Je m'appelle Dominique Desjeux, je suis anthropologue, ce qui veut dire un mélange de sociologue et d'ethnologue. Je travaille sur les comportements humains, je travaille sur la vie quotidienne et mon travail consiste principalement à aller faire des enquêtes. Ce sont des enquêtes à la demande d'entreprises, d'administrations ou d'ONG. Je pense que le principal apport de l'anthropologie aujourd'hui, il n'y a pas que celui-là, mais celui-là me paraît le plus opérationnel, on va dire, c'est tout ce qui porte sur les innovations. Et les innovations, si on veut clarifier un petit peu ce processus qui est très très long finalement, qui n'a jamais vraiment un début et jamais vraiment une fin, il comprend trois phases. Une phase qu'on peut appeler l'innovation en créativité. Une phase qui est celle de la diffusion sociale des idées nouvelles ou des produits nouveaux ou des services nouveaux. Et puis troisièmement, une phase de réception, soit ce qu'on appelle en B2B, donc pour des professionnels, ça peut être une machine dans une entreprise par exemple, soit familiale dans l'espace domestique, c'est-à-dire la réception de quelque chose de nouveau dans cet espace domestique. L'anthropologie peut aider pour la créativité en allant faire des enquêtes par rapport à un bien ou un service alimentaire, technologique, médicament, peu importe. La deuxième étape, celle de la diffusion de l'innovation, donc quelque part c'est au moment où une idée a été acceptée par la R&D, donc la recherche et développement, elle essaie de diffuser à l'intérieur de l'entreprise. Bien souvent il y a des tensions entre le marketing et la R&D, c'est assez classique surtout aujourd'hui. Et bien là, on est plus proche du reste de la sociologie des organisations. Notre travail consiste à aller interviewer les différents acteurs pour essayer de comprendre qu'est-ce qui pourrait favoriser une meilleure coopération, quelles sont les contraintes, quels sont les enjeux, quels sont les intérêts qui font que certains départements n'ont pas intérêt à cette innovation. Et puis on continue ce long processus de l'innovation, on arrive à la distribution. Bien évidemment, aujourd'hui, on voit ce va-et-vient permanent entre le e-commerce et la grande distribution, par exemple. Et puis le produit continue et il arrive chez le consommateur final. Et là, il y a deux façons de traiter l'innovation, qu'on appelle la réception à cet endroit-là. Soit elle s'applique à un objet qui est techniquement nouveau, un objet qui peut faire de la high-tech ou de la low-tech, qui peut être très sophistiqué ou très peu sophistiqué, mais aussi un objet qui n'est pas forcément nouveau, mais qui est nouveau dans la pratique où il arrive. Par exemple, si je suis en Chine, il n'y a pas de tradition de pratique du maquillage depuis la révolution culturelle parce qu'elle a été complètement éliminée. Et donc, quand L'Oréal ou Chanel arrivent en Chine pour vendre du maquillage, des produits de maquillage, eh bien, il faut réintroduire cette pratique qui n'existe pas. Et donc, c'est pas du tout les produits de maquillage ne sont pas du tout des techniques nouvelles ou des techniques sophistiquées. Mais ce sont des pratiques nouvelles par rapport aux consommateurs chinois. Voire même avec un élément très intéressant d'innovation. Jusqu'à aujourd'hui, le critère de beauté des femmes chinoises, c'est la peau blanche. Eh bien, aujourd'hui, on voit apparaître dans les classes très supérieures des femmes cadres supérieures, qui se font bronzer, qui est une rupture pour moi absolument énorme par rapport à une longue tradition de beauté avec la peau blanche. On va dire, pour faire simple, que d'un côté, le marketing, lui, met l'accent sur l'enchantement, tout ce qui peut enchanter le produit et la marque, et qui fait donc rêver le consommateur, alors qu'à l'inverse, l'anthropologie va au contraire mettre l'accent sur tout ce qui est contrainte et tout ce qui freine quelque part l'achat du consommateur. Et la collaboration entre ces deux approches est souvent complexe. Et donc, qu'est-ce que peut apporter, à mon avis, l'anthropologie au marketing? C'est trois choses, assez simples. La première, quand le marketing dit « il faut se centrer sur le consommateur », eh bien, on lui dit « chiche ». Est-ce que vous êtes prêt à faire un détour, à vous détacher de votre marque et à aller faire un détour vers le consommateur, vers ses usages et ses pratiques? Regardons d'abord l'usage que le consommateur fait des produits et non pas de la marque, et on va comprendre les problèmes qu'il résout en situation dans sa cuisine ou sa salle de bain. Le deuxième apport, c'est par rapport à l'individu. L'anthropologie a une vision plus collective de la prise de décision, dans laquelle il y a la prise de décision d'acheter, et donc d'innover quelque part,
Et donc, l'anthropologie va montrer que le produit qui va être acheté ne relève pas simplement d'un individu, un homme ou une femme, qui se fait plaisir, mais relève d'un jeu collectif assez complexe, sous contrainte des acteurs. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant, qui est vraiment propre à l'anthropologie, qui est de donner un coup d'œil collectif à l'achat et donc à l'innovation, qui n'est pas simplement un phénomène individuel. Alors, ce que peut apporter l'anthropologie à la compréhension des processus de diffusion, c'est l'accent qu'on peut mettre sur les contraintes qui pèsent sur les acteurs familiaux au moment où ils vont décider, par exemple, d'acheter quelque chose de nouveau, d'acheter un produit alimentaire ou une nouvelle technologie. On peut, pour simplifier, ramener les contraintes à trois grands domaines. Un domaine matériel, c'est la contrainte de temps, la contrainte d'espace et la contrainte de budget. Il y en a une quatrième très intéressante, c'est ce que j'appelle le système d'objets concrets. Par exemple, si je vais acheter un produit surgelé, ben j'ai besoin d'avoir un sac pour garder le froid, je vais avoir besoin d'avoir un congélateur, je vais avoir besoin d'avoir, mettons, même un micro-ondes pour décongeler. Il me faut un système d'objets. Et très souvent, on oublie que quand on va acheter quelque chose, s'il manque un des objets nécessaires à l'usage du bien ou du service qu'on va utiliser, eh ben les gens ne vont pas l'acheter ou ne vont pas le racheter. Les deuxièmes contraintes sont des contraintes d'ordre social. Là, on a principalement l'apprentissage associé à la charge mentale. Si vous lancez une nouvelle technologie, par exemple une application pour travailler sur, je sais pas, lire des prix dans une grande surface, faire du couponing, si l'usage de cette application vous stresse, vous demande beaucoup de temps d'apprentissage, vous avez beaucoup de chances que s'il n'y a pas de contraintes par ailleurs, ben les gens ne l'adoptent pas. Il y a aussi toujours dans ces contraintes sociales le réseau social. Ça, c'est le réseau pré-numérique quand on n'est pas sur informatique, ou le réseau numérique si on est sur Facebook, sur LinkedIn, etc. Et c'est à travers ce réseau que se diffusent des normes sociales sur ce que les pairs, hein, les amis, les gens avec qui on travaille, les collègues, disent qu'on peut faire, qu'on ne peut pas faire. Et c'est à travers ces réseaux que se diffusent ces normes sociales du prescrit, du permis et de l'interdit. Et puis il y a une troisième sorte de contrainte, c'est les contraintes symboliques qui principalement touchent à l'identité et principalement à deux grandes identités, l'identité de genre, être un homme ou une femme, et l'identité professionnelle, c'est-à-dire la plupart des personnes qui travaillent se sont construites une qualité du travail qu'ils fournissent et qui correspond à l'image qu'ils se font d'eux-mêmes comme un bon professionnel. Et souvent on l'oublie ça, mais les gens ne vont pas vont refuser d'acheter quelque chose ou d'innover dans quelque chose parce que ça touche à leur identité, principalement du reste de genre, homme ou femme. Leur identité professionnelle, ce sont les deux grandes identités qui viennent immédiatement à l'esprit quand on touche aux innovations.